sénateur Jodia, merci. Jodia, moi-même, peuple haïtien, nous avons présent devant l'église Saint-Pierre. Ils répondent à l'appel de l'église qui, Jodia, dit, les mêmes tout, les bouquets avec criminels, ça, qui peut payer en otage. Et me pense, comme citoyen, comme ancien sénateur, comme militant avant-gardiste, il faut me mettre pied à terre pour me venir dire l'église. Nous répondons à l'appel, même gens, les peuples là, ils ont pour les même pour mettre pied à terre pour venir courir les peuples tout. Parce que bataille contre Jovenel là, son bataille qui ne doit pas prendre souffle là-dedans. Son bataille qui doit faire sans camper. Parce que son bon criminel qui pour payer en otage. Son bon nek qui te dit tête yo bandi légal et puis peuple là fait peuple là perdi pied là le quitter au propre pouvoir. Jodi a tout quartier populaire en otage. Moun belé a mouri, kay belé a boulé, moun la saline massacré. Jovenel pas je me fais même mon tweet. Mais mon tweet depuis 7 février nous pas reconnaître Jovenel, nous pas reconnaître Jout qui a fait diversion. Nous ne reconnaissons personne qui a le pouvoir. Nous avons une bataille pour nous dégager Jovenel. Et c'est le commencement de la bataille. Est-ce que vous pensez que vous avez un geste qui a abouti à l'Ouest? Léon Lagou Mestoua dans le Boudonneg. Léon Lagou Mestoua dans le Boudonneg, c'est où après l'Ouest ça peut arriver. Moi-même, je compte ça veut dire en 86. C'est même schéma ça qui a été tracé. Et le peuple a parlé pour ramasser le caractère, pour le foutre Jovenel dehors dans le pays. Alors, Joseph, je vais démissionner. Son lugar ou à manger petit, est-ce qu'on a dialogue avec elle? Jamais! J'ai frappé pour frapper le lugar ou à foutre leader dans la zone. Il n'y a pas de dialogue avec elle. Jamais! Merci beaucoup. C'est ton plaisir. Nous-mêmes, nous battons clair. Attendez, écoutez. C'est une insulte. C'est une insulte pour les haïtiens. Ça montre que Jovenel va prendre nous au sérieux. Il va respecter nous vrai. Même nous, ça va mettre le Claude Joseph là. Ils sont pillés tout consulat qui gagne. Et alors tout consulat qui a à travers la République, ils viennent tout en crise. Tout consulat est en crise. Corruption, gagote, gabji. Et je dis à pour finir avec Payanet. C'est là pour nous que Jovenel Moïse a un plan. Pour finir avec pays à la corruption, pour finir avec pays à pour le faire, et comme un parti politique, le bouclier cadol, nous connaissons le bouclier. Ça bouclier représente, je dis, c'est corruption, c'est vol, kidnapping, je dis, mais on vient en taureau, corrompu, qui crase tout le consulat qui est dans le pays, qui est le Claude Joseph, mais on peut le mettre comme premier ministre pour finir avec pays. N'a pas dit, peuple haïtien, mobiliser pour déraciner l'équipe Jovenel Moïse, parce que le mandat est fini, mais elle était là pour continuer à détruire les peuples haïtiens. Bon, pour m'ajouter. Député, nous remarquons au présent en 2016. Solidarité avec tout le monde qui est victime de kidnapping, victime de l'insécurité, victime de la répression, victime de kidnapping d'État. Puisque ça n'a pas vivre jour en jour, c'est l'État et le pouvoir ça qui est responsable. Et d'ailleurs, Jovenel Moïse, comme président de facto, que mandat fini depuis 7 février 2021, dans tweet que le bail pour annoncer révocation Joseph Jout, lui-même, il dit démission gouvernement ça a permettre nous résoudre le problème insécurité. Jovenel Moïse dit c'est lui-même, c'est Joseph Jout, c'est Claude Joseph que l'OMEA et c'est l'ensemble des autres acteurs qui dans le gouvernement ça qui complice de insécurité. Ça. Nous là pour nous dénoncer l'inacceptable et pour nous dire non, c'en est assez, faut que pays en libéré de régime ça, de régime corrompu ça, de régime ça qui fait pays à un pays invivable. Pas de changement gouvernement, c'est même coup de bâton, c'est même kidnappeur, c'est même voleur, puisque c'est monsieur Jovenel qui dit c'est gouvernement précédent qui était responsable insécurité kidnapping non et c'est un membre dans même gouvernement ça et c'est un membre encore au même qui l'a. Nous prêts tout simplement pour nous assurer la sortie de Jovenel Moïse. Nous pas dans dialogue, nous pas dans cohabitation avec Jovenel. Nous même au niveau ni base, tout le monde connaît là. Nous avons lancé une bataille début 20 mai 2020. Donc nous avons abouti à déloger 9 gangs, tout le monde dans le conseil électoral, qui a gagoté l'argent de l'État. Mais nous constatons que Jovenel Moïse monte au cas électoral.
nous disons illégal. Nous dénonçons l'égalité parce qu'on est devant le Conseil électoral Craig Jovenel Moïse là, un, pour nous dénoncer l'égalité, de la mesure où la Constitution dit à clair comment on monte au Conseil électoral. Deux, nous dénonçons l'illégitimité, de la mesure où les forces de la société haïtienne pas retrouvé ou pas participé dans la montée du Conseil électoral. Et tous les valeurs sociétales, et dit, symboliques, institutionnelles haïtiennes, pas répondre à présent parce que coup de cassation le moment, pas d'accord pour créer l'électoral là, justement, prédécemment. Qui donc, ensemble de bagages, rend créer l'électoral Jovenel Moïse illégal, illégitime. Deuxième raison, c'est que nous devons créer là pour nous dénoncer le référendum. D'ailleurs, la Constitution haïtienne, non, lui, interdit que ce référendum. Non. Et nous dénonçons tout pour nous dire Jovenel Moïse, puisque nous avons fait publicité pour Bagan, pour question d'élection, pour question référendum, question nous-mêmes nous posons dans la société, est-ce que c'est la Constitution haïtienne qui fait que y a kidnapping dans le pays? Est-ce que la Constitution fait que assassiner M. Dorval? Est-ce que la Constitution fait assassiner Grégory Saint-Hilaire? Est-ce que la Constitution fait assassiner et me disant Yveline Saint-Hilaire? Est-ce que la Constitution fait tout que yo kidnappé père tout le monde connaît kidnappé? Et je dis à l'âme content que nous, ouais, secteur catholique là, prend position par rapport à ça. Même si nous sommes des propositions hypocrites, c'est pour y avoir tout fermé, dans la mesure pour qui ça? C'est parce que, hier, c'est secteur étudiant, c'est communauté universitaire là, c'est secteur privé, c'est l'église, c'est l'église protestante, il n'y a pas de proposition. Je veux dire, il y a sorti décret, malachon, décret immoralité, décret financier, contre population haïtienne, il n'y a pas de dire. Mais je dis à l'âne, c'est dit, ouais, le fait que vous kidnappez là-dedans, vous choisissez la proposition, ça montre à clair que vous êtes d'accord à toute dérive. Je veux dire, prendre dans le pays, je ne vais pas dire rien. Et nous souhaitons que la position soit prise aujourd'hui, là, que vous restez dans la position, que porte l'école fermée, porte l'église fermée, institution dans le pays fermée, jusqu'à ce que nous disons Jovenel Moïse allez. D'ailleurs, article 134-2, il dit à clair que le mandat Jovenel Moïse finit. C'est dans ce sens, nous, même au niveau une base. Nous-mêmes qui engageons dans la bataille, ça, contre l'électorat Jovenel Moïse, là, bataille pas bataille, nous liés, c'est bataille toute une société. Ok? Et ça fait demander toute société, là, tout acteur politique, et nous, petit parti politique, tout, nous ne pouvons pas rater. Et ça montre que nous avons une hypocrisie. Lorsque nous abonnons tous les médias, nous disons non, nous avons l'élection Jovenel Moïse, créer l'électorat là illégal, lui monter en dehors de la loi, fait contact dans la presse. Mais on ne peut jamais mettre plus à terre. Ça montre à clair tout. Ils sont complices. Si demain matin, Jovenel Moïse a lancé une décadie, un processus électoral, ils sont prêts pour aller. Et mais nous disons, nos populations vont prendre d'autres. Et nous disons clair, on laisse observer tout le monde qui est avec eux dans le moment difficile. Le jour où arrivé, Jovenel Moïse a allé, il a bon passé, mais il a bon balé où c'est. Et dans le balé où c'est ça, ni le secteur privé, qu'elle soit couché ou tout faux là, je vais vous mentir pour ce qui a passé par eux. Et je vais vous donner un dernier message, bah, monsieur Nézam Lamé. Nous, même au niveau de base, nous ne pouvons pas considérer monsieur Nagueto. Nous ne pouvons pas considérer 400 Marozo et bicentenaire, c'est de Dieu leur côté, comme bandits. Nous considérons comme des jeunes garçons, jeunes femmes, qui sont des vieux sociétés, d'ailleurs, c'est victimes. C'est parce que l'irresponsabilité de l'État, qui va créer bon chez l'école, qui va créer bon université, pas créer conditions d'existence, qui permet de dire aujourd'hui à la, le cabaret aux âmes, et m'a dit, c'est Dieu. Hier, si quelqu'un n'a pas existé aujourd'hui, tête qu'elle n'a pas existé côté, et qu'on n'a pas qu'être nègre, jeune garçon qui est dans le ghetto, il était bon aux âmes, il était bon à l'argent, mais il n'a pas existé. Mais c'est même pas toi toujours là. Et bien, on sait que le passé, nous dit monsieur. Je veux dire, observez avec nous. Je veux dire, considérez nous comme agents de développement. Demain, le pas besoin de nous considérer nous comme bandits. Et nous dit, yo ba nous l'argent, prenez l'argent parce que l'argent, c'est comme taxe pays. Yo ba nous âmes, prenez matériel. Parce que je bat à la voie fait là, yo nous en dans société à rejoindre nous. Parce que l'autre l'état qui va gagner, non, je dis, notre région coupée fâchée. Côté que nous prenons deuxième congrès national. Côté que nous allons mettre crampé, un bon jeu conseil électoral à des personnalités crédibles, honnêtes et intègres qui ont fait bon jeu d'élection. Nous allons remembrer ces institutions ainsi que la justice. Laissez nos camarades voir les bateaux caribéens, nos camarades qui font massacre, nos camarades tout le monde qui fait gaffe économique dans le pays. Et laissez à tout, nous avons un bon jeu d'institution, côté que nous allons intégrer, ça va pour l'université, ça va pour l'école, et nous allons faire un bon armée, puisque ça comme les armes seulement, nous allons acheter. Donc ça veut dire que nous avons l'État va réorienter pour faire service à toute une jeune population. Dans ce sens, nous avons un message clair à la population. Je dis à là, c'est je dis à même pour changer l'ordre des choses parce que Jovenel Moïse doit aller. Merci. Bon, je dis à gain une solidarité qui doit manifester à travers tout acteur, tout secteur dans la vie nationale. Là. Parce que nous tous en danger. Les gens qui ont vendu salami, qui ont vendu notre dog là, ils ont kidnappé. Machin qui est Topolino, qui a 4-5 petites sous contre l'IA, qui a kidnappé.
nèg ki gen chance ki ka achete 2-3 centièmes tè boutilier et nan n'importe l'autre côté en haut dans Pétionville yo kidnappé yo tué yo tout. Donc jodi a nous besoin en concertation, nous besoin en vue d'ensemble côté pour nous tout ka rencontrer non point et pour nous avancer ensemble. Donc jodi a tout moun la ki nan société a gen comme en face en pouvoir. On pouvoir qui déclare être non pouvoir dictatorial parce que tout ça l'a fait inconstitutionnel. On pouvoir qui bat l'estomac qui dit li ka fait gang G9, li ka concerté avec gang yo et li ka fait kidnapper n'importe moun nan pays a. On pouvoir tout qui chita sou mensonge côté tout ça pouvoir te promettre il va jamais fait. Donc je dis à MTV Haïti, moi même fin les Sirius à travers MTV Haïti a dénoncé pouvoir ça et a dit à toute population et même moun qui va veut sortir dans la rue, même si on dans chambre la caou, il y a vinn pont, il y a vinn kidnapper, il y a vinn tiro parce que pas grand personne monde qui innocent jodi a et des pour neutralité ou son complice. C'est peut-être ça n'a bon message ba population qui pas sortir a. Qui pas vinn là pour dire non à kidnapping, pour nous dire yo, il y a vinn pour la caou. Sou pas vle, eh bien, il y a tiro la caou. Donc jodi a son appel universel, son appel collectif pour lancer ba pour nous dire non à la kidnapping et nous solidaires avec approche l'église catholique là. Merci. Un président qui de facto il pas prêt de nous mettre dans le pays et puis nous sommes passer là on laisse la fête on va contre ça belle du feu et puis nous sommes prêts et tirer vite tirer il a du travail. Merci. Nous à ça je venais là hier même sous l'église je dis on va garder que l'église yo kidnappé moun yo yo kidnappé mes pères. Yo kidnappé tout le monde, yo tué homme d'affaires, tout le monde victime. Malgré ça, je venais pas prendre conscience. Pour le dire, peuple haïtien, je dis à mon yo pour un deuil, pour faire pour payer, pour dire à bas kidnapping, à bas dictature, voilà que je venais le voir venir tirer en l'église. Yo bas gaz, yo filtré, yo fait bouler machine. Pour yo dire, c'est peuple haïtien, c'est militaire, c'est l'église. Mais nous dis, je venais, l'immaculé, ma caclée. Démission, je ne pas état, c'est nous. Ces deux pas Jovenel, comme nous connaissons de facto, je dis nous choisissons pour nous dire Jovenel, je dis nous allons dire que nous allons toutes les réponses qui gagnent. Parce que la bataille a fini, parce que tout secteur dit qu'on a qu'il n'y a pas avec elle. Nous allons faire de ma velle, nous allons kidnapper avec elle. Nous disons, mais il n'y a pas de gaz toujours, c'est violence qu'a fait. Pour un gars si mon pour un gars oui venant dans l'église pour un gars si mon pour un gars tandis que m'a demandé m'bagé pour m'baro tandis que bagarre kidnapping ça fait mais ou pas ca ba nous en ou pas ca jeune en bon la ria grand quoi tirer nous à tout gaz m'obligé prendre la ria avec pour moi ça m'a jeune ba jeune ensemble m'té cou en 30 dans en dans l'église là et des am de chita avec. Li pa bon, li pa bon parce que comme on yo dit et tout le monde qui cap senti ça yo fait pas bon. Ou avec des tout yo là? Oui. Le map sorti.
On a fait un peu de temps.